j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte de petites créatures, donc qui s'appellent les cristal créatures, en compagnie de Nénès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, à l'intérieur, il y a du coup une créature similaire à ça. Donc là, c'est cette série, la série 2. Vous avez 6 créatures à collectionner. Et en plus, à l'intérieur, je crois qu'il faut les monter, les assembler. Un peu comme dans les œufs Kinder, en fait. Et vous avez également du slime. Et alors, du coup, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs styles différents. Voilà, donc les amis, on en a deux de chaque couleur. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. J'ai trouvé ça à Action et ça remonte. Donc clairement, là, en ce moment, il n'y en a plus. Par contre, il y avait que ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs. J'en ai trouvé d'autres, mais c'était la série 3 que, bien sûr, nous ouvrirons dans une autre vidéo. Donc, on va se les partager. On ouvre les boîtes et on se retrouve tout de suite, les amis. Regardez, les amis. On a ici un sorte de cristal qui est tout étincelant avec les petites paillettes. Et là, ça fait un petit peu style... En fait, j'en sais rien. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, ce truc-là. Une coquille d'œuf cassé. Donc, c'est parti. Inès, t'es prête? Oui. Alors, regardez les amis. Bon, bah déjà, on s'est spoilé un peu sur la créature qu'on a. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Et on a ici, du coup, l'instruction de montage. Et donc, ici, on va retrouver le type de slime que l'on pourra ranger à l'intérieur du gros œuf. Et du coup, ah non, en fait, il y en a beaucoup plus à collectionner. Je pensais qu'il n'y en avait que 6 parce que sur la boîte, bah, il y en avait 6. En fait, regardez tout ce que l'on peut avoir. Et en plus de ça, on peut les combiner. Ça, c'est génial. Donc, les amis, à l'intérieur de ma boîte, on retrouve des petites billes de polystyrène toutes blanches. Il y a aussi, du coup, le gros sachet dans lequel il y a le slime ainsi que toutes les pièces mélangées à l'intérieur du slime. Ça va être un vrai plaisir de retirer tout ça. Moi, j'ai eu des petits bonbons roses avec le slime de la même couleur que le personnage. On va ouvrir l'emballage, essayer de démêler tout ça et on va faire le montage de notre petite créature. En ellipse, comme ça, vous, c'est plus rapide, c'est plus intéressant. Et on se retrouve juste après le montage. Oh, maman, il est trop beau. Il est trop bien, le tien. Et alors, il est attends. Bien fait. Hop. J'adore. Ensuite. On dirait de la mort. Et moi, on dirait du liquide à chiottes. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Regardez les amis comme il est juste magnifique. Alors vous le voyez, un peu plus foncé qu'il ne l'est. Il est bleu mais ultra turquoise. Il est vraiment très 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 beau. Regardez mon slime, il est trop beau. Il est doré et tout. Eh, ça m'en fait. J'ai mis un petit peu de boule à l'intérieur. Et franchement, ça fait un effet spécial. C'est, bon, ça tient un peu mieux que dans les autres slimes qu'on a pu faire auparavant. Mais ouais, ça fait une sensation vraiment trop bizarre. Je suis pas fan. Je préférais avant, quand il n'y avait rien dedans. Et voilà, du coup, je l'ai rangé dans sa boîte. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Donc les amis, regardez-moi cette petite beauté. Est vraiment trop joli. J'adore le bleu, donc c'est très très
Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a encore des trous. C'est parce qu'en fait, comme on peut les combiner, bah, c'est justement là qu'on viendra associer les autres éléments. Alors, pour commencer, moi c'est un tigre avec des espèces de cornes. Par contre, ils sont pas du tout de la même couleur. Bizarre. Bon, ça après, c'est pas trop grave. Hein. Moi, le mien, il avait deux jambes pas de la même couleur. Hein, si vous regardez bien. Ouais. Il y en a une qui est presque verte et l'autre blanche. Ouais. Et du coup, bah, j'ai un diamant rouge. Bah, j'ai rouge. Par contre, moi, je m'assiedrai pas dessus parce que je veux faire mal. Donc voilà. C'est parti pour le deuxième. Ouais, j'ai pris le... Anna, j'espère que c'est pas le même que toi. Bon, j'ai des petits. Je sais même pas que moi. Oh, mais toi, elles sont trop belles tes paillettes. Regardez les magnifiques paillettes qu'elle a eues, Inès. Je me retrouve encore avec ça, moi. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur parce que c'est la même couleur de slime qu'Inès, mais ça n'a pas du tout l'air d'être le même. Il y a un peu de orange. Donc ça va, je suis rassurée. Et moi, il est rose. Rouge, non? Rose, c'est juste qu'il y a des trucs un peu... Ah, d'accord. Dedans. Bon, on va voir ça tout de suite. Les amis, on ouvre tout ça. Regardez, il est magnifique. On dirait qu'il est nacré. Moi aussi, je trouve qu'il est trop beau, du coup, je vais pas mettre les petites paillettes vertes. On fait ça vert dans du rose comme ça. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt. Alors, les amis, regardez la beauté. Elle est belle. Parfait. Et... voici à quoi elle ressemble. Ouais. Ouais, ça donne ça, donc c'est une forme. Elle est super jolie. Ouais. Ça fait un dégradé. Et on a le même truc ici. Ouais. Elle est jolie. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a rien vu, d'accord? Du coup, ses cheveux, ils sont trop beaux. Tes cheveux? Tes cheveux, j'aime bien les cheveux. Ta crinière. J'ai pas fixé. Et pour la dernière. Oh, mais c'est pas vrai! Les amis, j'en ai marre. Ah non, regarde-moi ce que j'ai. Bon, après, il n'y a peut-être pas trop de choix. Il est violet, il est tout au fond. Oh, il est trop beau, regarde, il brille de tout multicolore. Waouh. Vas-y, vite, ouvre. Je vais pas mettre ça. Non, bah, moi non plus. Et du coup, moi, il est... Ah, bah, j'ai encore un bleu, mais ça va, c'est pas le même que tout à l'heure. Oh. Ouf. Il est bleu, même si à la caméra, on dirait que c'est violet, c'est du bleu. Très près, il est trop beau. Il est trop beau. Trop beau. Moi, vous connaissez déjà, c'est le même que tout à l'heure. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. Regardez les amis. N'est-il pas, il ou elle, j'en sais rien, merveilleux, mais super beau, avec ses petites et les gigantesques doigts, il est vraiment très beau. Mais alors attention, vous avez
Accrochez-vous, vous avez pas vu celui d'Inès. Tadam. Ah oh, mais les cheveux, enfin les cheveux. La crinière sur la caméra, ça se fait alors que c'est gelé comme un slime. Ça... Il est vraiment beau. Il y a les yeux qui partent devant. Il est trop stylé. Voilà, donc vous pouvez voir du coup un petit peu tous les slimes qu'on a eu. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un max de pouces bleus. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces petites figurines vous préférez. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas louper la suite de nos vidéos. Et surtout, abonnez-vous!